Voilà. Donc il y a ça. Et l'ombre, ils m'ont frappé devant le café. Avec des coups de matraque, des coups de pied qui couvrent tout mon corps. En Tunisie, et à l'occasion de la fête nationale française, le président Zine Abidine Ben Ali a adressé au président Nicolas Sarkozy un message dans lequel il lui exprime en son nom personnel et en nom du gouvernement et du peuple tunisien ses sincères félicitations et ses meilleurs voeux de santé et de bonheur et au peuple français ami davantage de progrès et de prospérité. Il me plaît également, en cette heureuse occasion qui incarne un événement historique glorieux, de vous exprimer, ajoute le chef de l'État, de nouveau ma satisfaction quant à l'évolution prometteuse des liens d'amitié traditionnelle tuniso-française et de vous renouveler notre volonté de continuer à œuvrer de concert au renforcement des relations de coopération fructueuse et à la consolidation de la concertation régulière et constructive entre nos deux pays, ajoute le chef de l'État dans ce message. Il se déclare enfin persuadé que les années à venir ouvriront de nouvelles perspectives aux relations privilégiées qui existent entre la Tunisie et la France, ainsi qu'au développement du partenariat euro-méditerranéen de manière à contribuer davantage. On ne peut pas dire que c'est un pays qui respecte les droits de l'homme. Non, on ne peut pas dire. Donc, on doit lutter, nous tous, pour avoir ce minimum de droits. Et même pour nos enfants demain. L'État ne craint rien et ne s'intéresse à rien. L'essentiel, elle vit bien. C'est comme ce pays, nous tous, on dépend de lui. Et nous tous, on est des esclaves, et lui, c'est un roi. La Tunisie, pour lui, c'est comme son héritage. Et nous, on n'a que mangé le pain. Et il nous taise. C'est tout. Les ahna بالنسبة لينا, الشيء ما يتشري والشيء ما يتبيع, الهام هي دور النساء في المجتمع. ونحب مجتمع ديمقراطي اللي فيه المساواة وبالنسبة لنا كان نعرضه من أجل المساواة ومن أجل حقوق الإنسان النظام متاعنا ما ينجم يتواصل كان بدعم الحريات واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية. À tous ceux qui sont persécutés par les tyrannies et par les dictatures, je veux dire à tous les enfants à travers le monde, à toutes les femmes martyrisées dans le monde, je veux leur dire que la fierté et le devoir de la France sera d'être à leur côté. Je ne vous trahirai pas, je ne vous mentirai pas, je ne vous décevrai pas. Ces interlocuteurs se montrent enthousiastes.